non, bon, adieu docteur, au revoir quoi, jusqu'à l'opération. Et un an de patience. Un an, vous m'aviez dit 8 mois. Alors, j'ai dit 8 à 12 mois avant de tenter l'opération. Une locomotive, mais ils m'emploieront à l'atelier, ça ils m'ont promis. Alors j'irai au centre et puis je rentrerai dans votre classe avec des roses plein les mains, puis enfin je vous verrai. Mais qu'est-ce qui vous émeut en lui? Sa force, ses projets, son goût de la vie. Tiens, je t'ai apporté des cigarettes. Ah, merci, c'est gentil ça. Parce que j'ai su que tu viennes, je me serais rasé, mais si tu veux revenir pour me voir. On sait pas qu'on t'oublie, Raymond, mais je sais pas. Tes amis sont pareils. Ah, dame, d'un seul coup, ça a creusé un drôle de fossé, hein. Ils savent pas quoi te dire. Ah, ben quoi, ils n'ont qu'à me dire bonjour Raymond, comment ça va, quoi. Ils s'imaginent que c'est plus compliqué. Un aveugle, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. C'est un homme qui n'y voit pas et qu'il faut traiter comme un homme. Lui, son ambition, c'était d'être rond de cuir. À 20 ans, il portait un parapluie et des caleçons de laine. Ben, il l'est rond de cuir. Mais conduire une locomotive, est-ce qu'il sait ce que c'est? Est-ce que tu t'imagines un peu comment c'est une locomotive? À mon idée, c'est plus gros qu'une vache. Et c'est un fer, et quand ça passe, ça fait chaud. Mais puisque tu vas guérir. Ben oui, mais en attendant, tiens, sans mes lunettes, regarde la gueule que j'ai. Petit fonctionnaire, petit salaud, répète le nom, ce que tu viens. Oh, mon Dieu! Un râleur à qui tout est dit et qui est au centre un détestable élément. Non, mais je t'avais dit, monte ta prise, je la vérifierai. Oh, t'es trop pressé, toi. Ah, t'es marrant, écoute, moi j'en ai marre de jouer les apprentis. Dans un trop grand malheur, il y a des tas de gens qui deviennent comme des moutons. Tandis que vous, vous restiez un homme. Prétendez que vous protégez Mademoiselle Lourdes, mais si la vérité était que vous en profitez. Bonsoir, hein? Si vous n'étiez pas un infirme. Eh, vous me corseriez la gueule, hein. Mais profitez-en, parce que dans 2 mois, c'est peut-être le contraire qui pourrait se produire. Parce qu'après mon opération, je serai comme vous, mais plus fort que vous. Oh, mais où allez-vous? Mais il va me casser mes verres. Et alors? Ça porte bonheur. Dis donc, Julien, je vais te dire une chose. Il m'arrive un truc fantastique. Ben, je suis heureux. Mais... Ah. Raconte, mon vieux. Ah non, non, mais je t'expliquerai ça une autre fois, mais ça me fait plaisir de te le dire, quoi. Ouvrez tous vos livres de lecture. À la page 7. Oh, je te dirai que le braille, je m'en fous, hein. Seulement, tu comprends, je m'assois sur mon banc et puis je demande des explications à Mademoiselle Louveau. Alors elle vient, me prend les doigts, quoi. C'est vous ce que j'ai besoin d'explication, mon vieux. Les mots contiennent de la musique. Saviez-vous aussi qu'ils contiennent de la lumière? Il vous tenait par le bras, vous riez. Vous vous taisez ou c'était la bagarre? Raymond, ne te fâche pas, mais celui-là est toujours de bonne humeur. Ah, dans les autres, je crâne, mais à vous, je peux bien l'avouer, c'est pas de la peur que j'éprouve. C'est une frousse carabinée. Ah, on finit par y voir avec les doigts. 10 yeux, ça fait 8 de gagné. J'ai vu ta mère s'en aller, alors j'ai deviné que t'étais seul. Oh, bah celle-là, je la connais par cœur, alors. À tout le long de la rivière, dans ce coin-là, il y a des peupliers. Attendez, vous sentez ce gros point? C'est le chef-lieu. Ah, Auxerre? Bien sûr. Et Joigny, où c'est Joigny?